à tous et à toutes. Nous allons voir comment modifier le volume du micro de votre oreillette Sennheiser. Il peut arriver que des patients, lorsque vous êtes en communication, puissent se plaindre en vous disant « je vous entends pas suffisamment » ou « je vous entends de très loin ». Si vous êtes avec l'oreillette Sennheiser, c'est parce que par défaut, l'oreillette, elle est réglée à un volume qui n'est pas très très élevé. On peut modifier ça. Pour cela, vous allez avoir le socle de l'oreillette, donc vous allez le tourner complètement derrière. Derrière, vous avez un petit cache, donc on voit que c'est une surface plane, un petit cache, donc l'on va faire sauter en glissant notre doigt vers le haut. Hop là, le capot sort. Je vais vous relever l'arrière de l'oreillette. Donc voilà, l'oreillette se présente de cette manière. Il y a un petit bouton rond tout en haut, que l'on peut faire tourner de gauche à droite. En tournant à gauche, vous allez réduire le volume. En tournant à droite, pardon, vous allez l'augmenter. Dans les tests que nous avons réalisés chez l'ensemble de nos clients, en règle générale, on trouve que le son est de bonne qualité quand l'oreillette est au niveau 6. Maintenant, si vraiment pour vous il faut monter davantage, vous pouvez. Simplement, vous risquez d'arriver à un phénomène de grésillement qui ne sera pas forcément agréable pour votre patient. Donc, nous vous recommandons de le mettre au niveau 6. Si elle est à un niveau inférieur, n'hésitez pas à tourner le petit bouton. Il se tourne avec les deux doigts. On peut largement, comme je vous montre dans l'exemple, lui faire faire une rotation sans problème. Voilà.